Bonsoir à tous, on se retrouve pour la première ronde du tournoi Jigo organisé par Fulgorogo, donc sa chaîne est en description. Donc c'est des parties, comme le nom l'indique, qui sont à égalité, donc à égalité, avec un commis rond, donc de 7, donc il peut y avoir des parties qui finissent à égalité strict. Donc on va jouer ça, on joue contre un Q, nous on est 2 Q sur OGS, bon, on a sensiblement le même niveau. On est blanc, on a 25 minutes chacun. Plus un incrément de 20 secondes à chaque coup joué. Donc c'est un système Fischer. Et les règles sont chinoises pour qu'on joue tous les coups. En fait, chaque pierre jouée est un point, en fait, je crois que c'est ça. Donc ça force à jouer tous les damés en fin de partie. Voilà. Donc on va commencer, parce que je perds un petit peu de temps. On va jouer Komoku. Et donc je vous ai mis. Ah ouais. Comme c'est une partie de tournoi, j'ai mis en épinglé dans le chat, pas backseat ou dead, forcément, ça, mais on sait jamais. Et retard de 2 minutes de stream, au cas où. Voilà. Donc, il fait son Komoku. Et moi. Je vais faire Komoku également. On va faire double Komoku opposé comme ça. Donc là, soit il va prendre son Shimari, ouais, d'une façon ou d'une autre, soit il approchait ici, je pense. Il prend comme ça, très bien. Ça donne très envie de venir prendre le Sensan. Faire une stratégie à trois coins. Comment on va faire ça? Si je viens ici, il peut pousser là, tac tac, donc ça joue Moyo direct. Hein. Après il approche un de mes coins. Ça dépend comment il le joue, s'il le joue haut, tac 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 tac. Je vais là, je finis Sente, je peux prendre un coin et j'ai trois coins. Et on peut prétendre que c'est suffisant. Il joue bas, tac tac tac, je vais là, il va là, pareil. En vrai on va jouer ça, on va tenter la strat de trois coins. Et prétendre qu'on peut réduire facilement ça. Donc je viens ici, il va approcher un des deux en bas. Ils ont Oh les là, chapeaux ronds. le message qui apparaît pas entièrement, c'est trop gros, il faudrait que je règle ça. Merci Cro, merci beaucoup pour leur abonnement. Et ils ont des chapeaux ronds, effectivement. Et salut Lumi aussi. Bonsoir à vous deux, j'espère que vous allez bien. Donc sur YouTube, vous voyez pas le retour du chat, mais je sais pas si c'était utile ou pas, ça aurait mis trop d'infos sur la scène, je pense. Donc ouais, là, si vous venez d'arriver, la stratégie, là, concrètement, c'est, voilà, s'il approchait haut, c'était de faire cette séquence classique, hein. Tac, 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 et il prend son extension, moi je prends le coin, et dire, je fais trois coins. Mais là, quand il approche bas, c'est la même stratégie en soi. Tac, tac, tac. Il vient là et je prends un troisième coin. Et en prenant trois coins comme ça, plus les 7 points de commis, c'est quand même pas mal 7 points, c'est prétendre ce que tu as en haut, c'est réduisible et tu n'auras jamais assez. Bon, c'est optimiste, hein, mais c'est une stratégie tout à fait viable. Et on part sur ça. On verra ce que ça donne. Ok. Et du coup, il en profite quand même, puisqu'il sait que je veux faire ça. Donc, au lieu de jouer directement son coup ici, ça a l'air plus intéressant de venir comme il a fait, comme ça, si on joue la séquence. Au moins, quand il fait ce coup-là, ça fait extension un peu pour les deux. Même si ici on est un peu loin de ces deux pierres-là, on peut toujours attaquer un blanc et jouer un coup par ici, c'est quand même embêtant. On ne peut pas ou difficilement connecter en fait. Donc, attention à ça. En vrai, je vais prendre le coin. Hein. C'est tout de même gros.
Et il peut jouer différemment, il peut monter ici par exemple, plutôt que de faire l'extension, voilà. Ou alors il l'a fait de ce côté. C'est peut-être plus intéressant de faire de ce côté, parce que ces deux pierres sont moins solides que ces trois-là. Donc jouer par ici a l'air plus intéressant, parce que quand blanc vient là, noir il est assez solide dans cette position, il peut sauter facilement. Alors qu'à l'inverse, quand on vient là, tac, noir peut sauter certes, mais il lui manque une pierre d'aide par ici par exemple, pour faire un peu la même chose. Si on veut comparer. Enfin, moi, je choisirais celui-là, je pense. Ou un directement essayer de grandir d'une manière ou d'une autre, en fait, la position. Et inviter Blanc concrètement à aller dedans et essayer du combat. Peut-être qu'il aime beaucoup ça aussi. C'est pas impossible. Il fait ça, mais sur la troisième ligne. En fait, ça donne envie direct de faire ça. Hein. Ça donne vraiment envie direct de faire ça à la troisième ligne. Je trouve ça un peu dommage, cette troisième ligne. Parce qu'il a déjà trois pierres sur la quatrième. Donc moi, ce que ça me donne comme impression à chaque fois quand les adversaires font ça eux-mêmes, peut-être que c'est pas mauvais, hein. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais moi j'ai l'impression à chaque fois que ça fait. Mince, l'autre couleur, c'est peut-être un peu mieux. Ça fait un effet cuvette un peu tout seul. On a l'impression. C'est comme si Noir finalement reculait tout seul alors qu'il subit pas de pression. Je sais pas. Peut-être que c'est juste, voilà, ma préférence personnelle. En tout cas, c'est pas du tout forçant. Donc à moi de soit jouer là, hein. Tac, tac, tac. On peut réduire ce bord, hein, et lui, il peut rajouter un coup. Et on pourra toujours embêter, j'ai l'impression. Donc je ne sais pas si c'est cette zone-là la plus intéressante. J'ai l'impression que comme j'en ai le timing, D16, elle est intéressante. Je vérifie quand même des chichots par là. Si un chichot qui a lieu, il arrive par ici. Donc ça, c'est un peu compliqué. Ou alors, une solution, c'est aussi d'aller par là. S'il est temps ici, je peux aller là. Et s'il attaque par là, ce qui a peu de chances qu'il fasse. Hein. Quand je joue en K17, tous les jours il joue H17, on dit pousser vers la force, donc sa force c'est son mur ici. S'il joue de ce côté, en fait l'extension est assez minime, et en plus je réduis le potentiel de son Shimari, c'est un peu dommage. Donc là, si je joue ça, je sais qu'il joue H17. Et que du coup derrière je joue soit N17, M16, un coup du genre. Genre moins N17. C'est quand je joue ce coup-là, L17, et qu'il me met la pression de ce côté. Quand vous avez L17, ne faites peut-être pas O17, parce que vous allez manger une pression. Je vous montre vite fait, tac, mince, tac, tac. Ne jouez pas ça, parce que là, vous mangez une pression comme ça directement. Tac, tac, tac. Et que vous protégez de ce côté, il peut directement vous mettre une grosse pression par là et vous n'avez aucune base de vie. Alors que quand vous jouez un peu plus par là, vous venez ici, vous la subissez moins quand même, cette menace. Là, il peut pas. Oui, il peut faire ça. Non, ça. Mais c'est moins grave, on va dire. Donc, quand vous jouez là, en fait, c'est pour faire ce coup-là derrière. Plutôt. Mais ça me dit pas si c'est intéressant pour moi d'aller là ou ce coup-là qui est très gros aussi. Des coups par là, bof, parce que c'est très difficile de développer sur ce bord-là. Et ça, tac. Non, non. Il me reste du temps, oui, largement. Je sais à peu près que. Parce que là, les points d'invasion ici, il y a des coups comme là, ça, il y a peut-être ça plus tard. Je sais à peu près que.
C16 et C15, je les veux pas. Parce que je suis déjà très plat sur ce bord. Ça va lui donner un mur insane. Je vais être goûté. Ça va vraiment être compliqué après. Donc après, oui, ces deux-là, c'est pas bon. Donc c'est la question, c'est vraiment de savoir est-ce que je viens ici. Pour moi, c'est bon en sélection. Ou à la rigueur, là. Et quand je joue ça, en fait, il y a beaucoup de réponses possibles pour noir, en fait. Donc il faut lire un peu tout. Voilà. Maintenant, j'essaie de réfléchir un peu. Je vois qu'il y a pas mal de personnes. Salut Master Rikiki. Salut Valois. Et bonsoir Daytona. Bienvenue à toi. Et merci Master. Salut Zanga, merci beaucoup pour l'abonnement. Salut à toi. J'espère que ça va. Tous en tout cas. J'ai l'impression que ça c'est bien. On a trois coins. En fait, si je fais ça et que je me fais enfermer, quatre coins, c'est pas forcément intéressant. À partir sur ça, c'est très bien, je pense. En tout cas, pas mauvais. Et comme ça, si une situation se passe bien par ici, peut-être que je changerai d'avis. Et qu'un de ces coups-là sera intéressant. Si je suis déjà installé vers le nord. Peut-être que ce sera moins grave de donner de la force encore. Donc ouais, pour ceux qui viennent d'arriver, donc on a à la base 25 minutes chacun. C'est un tournoi organisé par Fugurugo déjà. Normalement, il y aura de temps en temps des annonces qui vont mener à sa chaîne YouTube ou son Discord, même si je pense que la plupart d'entre vous y sont déjà. On a 25 minutes chacun. C'est les règles chinoises. Et c'est l'horloge Fischer. Donc à chaque coup qu'on joue, on regagne 20 secondes. Donc ça peut durer quand même assez longtemps, même si c'est 25 minutes à la base. Et le tournoi s'appelle Jigo. Un Diego, c'est quoi? C'est quand une partie finit à égalité strictement, donc ça inclut que le commis est à 7 points tout rond. Il n'y a pas de 2,5 pour qu'il n'y ait pas égalité justement. Donc aussi bien à la fin de partie, ça sera complètement égalité. Donc à voir. À voir, à voir. Même si ça doit arriver assez rarement. À notre niveau, j'imagine. Comme on disait ici, hein. Tac, tac. Donc ça se joue bien. Tac, tac. Donc ici, normalement, nos pierres sont assez safe parce que d'un côté comme de l'autre, on ne se rapproche pas de D17 ou de Q17 en jouant un coup ici ou là. Non, nos coups seront un cran plus éloignés. Donc la pression est moindre. Après, normalement, il joue de ce côté. Hein. Tous ces cons de la force. Et ensuite, mince. Et ensuite, il y a des grandes chances que ça se fasse comme ça. Justement, pour mettre la pression, par exemple, ça. Si je m'amuse à capturer, lui, il met une énorme pression sur ses pierres. Là, j'ai aucune base de vie, on sait pas quoi faire. Voilà. Donc, c'est une des suites possibles. Pour l'instant, j'aime bien la partie. Alors qu'on est encore très tôt. Mais je trouve que ça se réduit facilement, le sud. Un coup vers K4, ça a l'air pas mal. Et justement, il veut réparer peut-être un peu sud. Donc là, son coup est forçant, hein, parce que si je ne réponds pas, il fait n'importe quoi. Tac. 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 On coupe du côté qu'on ne veut pas. Atari, je capture. Et bon, il peut revenir capturer comme ça. Tac, tac, tac. Et là, il prend les quatre pierres. Et le coin. Donc ça fait mal. Donc après, ici, il faut protéger. On peut protéger avec R5. Ou un peu plus rapide avec S7. À quoi sert S7? C'est un peu plus facile avec S7 de plus tard sauter jusqu'ici, par exemple. C'est un peu plus rapide. Ce qui peut être un coup intéressant dans la mesure.
où il essaye de développer un moyo dans cette direction. Voilà. Donc il y vient. Il n'a pas envie de me concéder ça. Ce qui se comprend. Dans ce cas-là, comme ici, je n'ai plus de faiblesse. Ici, je n'ai pas de faiblesse. Là non plus. Cette pierre, elle peut encore jouer des deux côtés. Hein. Ce qui est bien, c'est que j'ai le choix, je peux aller là. Là, j'hésite entre deux coups. Vraiment, il y a deux coups qui sont intéressants, je pense. Le K4, dont on parlait. Donc celui-ci. Hein. Mais en même temps, il y a un autre qui est intéressant. C'est R13. Déjà, ça fait potentiellement des points sur le bord gauche. Droit, pardon. Désolé. Et aussi, ça va peut-être le forcer à jouer justement de ce côté, ce qui était moins intéressant que le H17. Et nous, on s'étend d'un côté qui est plus embêtant pour lui. Ça réveille un peu d'Adji dans le coin et tout. Donc c'est intéressant aussi ce coup en R13, je pense. Mais je me demande si c'est pas urgent de jouer quand même en K4. K4, il a deux solutions à priori. Jouer en J4, on saute. Il va à l'intérieur, tac, 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 et il connecte pas au-dessous. Ou alors, il va en K3, on saute, il va à l'intérieur, tac, tac, on connecte, et il connecte pas au-dessous. Avec N2, ce qui a l'air pas mal pour lui. Je vous montre les deux séquences. Je suis sur les flèches, pardon. Blanc, noir, blanc, noir, noir, blanc, noir. Blanc peut connecter et noir vient connecter ici par exemple. Donc on réduit, on essaye qu'il ne fasse pas plus haut que la troisième ligne. Celui-ci, il sera intéressant pour moi, mais je pense que du coup, il prend peut-être l'autre. Tac, ça vient à l'intérieur. Hop, hop, on connecte. Et là, il peut... effectivement, il est peut-être un peu plus écrasé, mais il peut connecter avec ça. Ce qui en plus prépare le très bon Yossé en P2. Donc ça, c'est cool. C'est un gros, gros Sente ça. Tac, tac, il peut venir là, tac, 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 et tac. C'est gros, c'est quand même pas mal. Après, il est écrasé également, donc les deux ont l'air intéressants. Et je finis à peu près Sente, mais bah je sais pas. Peut-être que je rajoute un coup, non. Donc après, il pourrait jouer en H17. Donc ça dépend quelle direction je veux donner à la partie. Parce que si je viens en R13 maintenant, il peut aussi Tenuki. Ou jouer Q13, par exemple. Et s'il joue par ici, ça devient compliqué de dire là, regardez rien. Ça fait beaucoup d'arguments pour jouer là, je pense. Et j'ai entendu. Hop, c'est pas sur la même fenêtre, pardon. Salut Goshi, et merci beaucoup pour l'abonnement. Merci beaucoup à toi. Le retour de la vengeance. Comment ça, le retour de la vengeance? J'ai déjà joué contre Ryozaki? Je sais un peu. Peut-être. On saute? Ça, c'est des séquences assez classiques. Hein. Des fois, on a envie d'aller en L3, mais ici, je pense que Blanc est beaucoup trop content d'aller en M2. En M3, pardon. Sauf si, bien sûr, mais c'est un peu risqué. Sauf si Noir est sûr de mettre beaucoup de pression en allant là directement. Mais c'est vraiment risqué, je trouve. Parce que d'un seul coup, il fera pas beaucoup de points. Il perd sa base de vie avec ce groupe également. Est-ce que ça en vaut la peine? S'il est sûr de pouvoir faire quelque chose avec ce groupe, pourquoi pas? Et de mettre de la pression sur les deux positions peut-être un jour. En soi, je suis très plat, moi. Sur le centre, j'ai pas beaucoup de force. Peut-être que cette pierre en K17 c'était mieux en K16 d'ailleurs, par rapport à cette logique. Voilà. C'est ça, c'est à peu près dans cette logique qu'il fait ça. Dans ce cas-là, je vais sûrement sauter. Je joue léger. Hein. On joue léger avec l'épée de Damoclès que je joue un jour M3. On peut même jouer tout de suite ça, non? Non, c'est pas fou. Si je joue ça, il joue en N2. Et ensuite, oui, j'ai envie de repartir. Mais après, il peut jouer en L2 et je peux pas descendre, sinon il coupe en M3. Faut que ça sert à rien. Si je joue là et qu'il joue là, il faudrait que j'ajoute encore un coup.
Sauf que je suis quasiment mort si je... Bah, je serais quasiment enfermé, quoi. Tac, tac. Ah, je peux jouer là. Ouais, mais ça abîme vraiment le coin, quoi. Non, on va s'en aller. Faut jouer léger et il faut pas avoir peur de perdre des pierres, déjà. S'il essaie de couper comme ça, tac. Je me demande si ça marchait pas un petit coup comme ça ou comme ça. Les Nikenitobi, c'est très fragile. Hein. Mais maintenant, j'ai envie de juste. Ouais, peut-être que ça, c'est un peu long. Peut-être celui-là, mieux. Ce qu'il y a, c'est que si je fais ça, qui monte, que je monte, qui va là, directement, j'ai pas une forme incroyable. Bon, je peux jouer là. Et s'il monte. Là pour le coup on peut descendre ici et il a vraiment pas de base de vie donc ce serait vraiment un échec pour lui ça. Mais en même temps si je vais là, qui va là, que je vais là, qui va ici, je vais là et qui rajoute un coup pour connecter, je peux faire cet atari et prendre l'ascendant sur le centre et je suis assez content finalement. Ou alors je fais ça. C'est peut-être un peu moins bien. Hein. Allez on va là, c'est plus actif. On fait ça comme ça. Là oui, je dis. Hein. Tac, tac, tac. Quand je protège ici. S'il va là, on peut pour le coup venir séparer. Et là maintenant, toutes ces pierres à droite ben, sont en danger un petit peu quand même. Bon, il faut sortir quoi. Il faut partir dans cette direction ensuite pour noir. Mais en même temps, si ça continue comme ça, tac, 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 tac. Et qu'effectivement il connecte. On peut faire cette attaque. Il n'a pas envie de laisser un peu d'Oki dirigé vers le centre, hein, donc il protège. Et ensuite on peut faire ça, par exemple. Très tranquille. Et bah, on prend quand même. On a quand même un groupe très solide. Il fait moins de points que prévu s'il avait eu justement un coup vers. On parlait hein, d'un coup vers. K7 ou L7 à un moment pour lui et il faisait un moyo assez conséquent. Ici, c'est quand même sur la troisième ligne. Certes, ici, il fera un peu plus de points. Il aura ce coup qui sera intéressant. Mais il n'a pas encore répondu au problème en haut. Donc attention à tout ça. Et on prend justement cette force sur le centre qui nous manquait un peu. Donc ça peut être intéressant. Continue. Qu'est-ce qu'il choisit? Et en même temps, en montant ici, ça peut faire encore plus de points sur cette zone-là. Mais on peut séparer. Moi, je pense qu'il a jamais envie de séparer. Quand on sépare ici, il va jouer un N2. C'est ce que je ferais, moi. N2. Ça connecte. On peut pas couper, nous, avec M2. Parce qu'il va en L2. Et si je descends, il connecte, ouais, comme on disait. N2, M2, L2. Même si je vends. N3. Il peut faire Rotary au-dessous. Il n'y a rien. Il est connecté avec N2 et il prend un bon Yossé. Mais évidemment, hein, s'il fait ça, que je coupe, bah, ici il peut développer quelque chose de vraiment très intéressant. Hein. Il fait quelques points par là. Hein. Mais bon. C'est quand même très risqué. Là, c'est plutôt comme on a dit, pouf, 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 pouf. Après, il n'y a pas forcément que deux choix, hein. Peut-être que je suis un peu. Peut-être que je ferme un peu mon regard sur les différentes possibilités. Souvent on a une idée en tête et on regarde pas le reste. Après il peut, hein, en soi s'il joue M2 il est connecté aussi. Mais bah, dans ce cas ça c'est moins intéressant. Je viens là et il peut plus faire le Q1. Il recule là et peut-être que plus tard j'irai en paire, hein, mais en tout cas je suis senté, je peux aller ailleurs. Donc vraiment N2 est plus intéressant je trouve. Je sais pas.
Tu streamais plus, non? Il n'y a que des vidéos YouTube ces derniers temps. Ouais, j'ai commencé une nouvelle formation là sur un an pour me reconvertir. Et du coup, j'ai pas vraiment eu le temps ce temps-ci, mais il faut que je reprenne les streams. Hein. Il faut que je réussisse à caler quelque part tranquillement. Parce que j'aime ça tout simplement aussi. Hein. Et là, oui, je fais les vidéos YouTube toujours. Ouais. C'est plus facile, on va dire, de trouver un ange dans ce truc. Et voilà, ça demande moins d'investissement, on va dire. Pas avoir peur de perdre la partie non plus. Avoir peur de... Eh, je vais pas perdre ça. Bon, peut-être. C'est vrai que je perds souvent les parties que je mets en ligne après. Ouais, merci encore, Zengarn. Salut, Virgule. Comment tu vas? N'hésitez pas hein, à aller voir Virgule. Franchement, il joue au Go en faisant des sacrées œuvres d'art en même temps. C'est vraiment pas mal du tout. Peut-être que vous connaissez déjà. Donc il vient par là. Ça, c'est peut-être pas la meilleure idée. Peut-être que c'est mieux de faire ça. C'est sûrement mieux de faire ça. Pourquoi est-ce que je veux pas jouer l'autre? Si je fais ça, il peut aller là. Connect. Hein. Il monte. On va pas faire ça, sinon il fait Atari et voilà. Tac. Connect. Connect. Et on a une forme dégueulasse. Mais concrètement, ok, il y a du combat, hein, mais franchement, je suis pas très content de ce qu'on a. Alors qu'avec ça, c'est quand même un peu mieux. C'est plus simple. Mais oui, si vous connaissez pas. Hop. Mince, je me trompe. C'est comment? C'est shout out. Hop là. Voilà. N'hésitez pas à aller checker. Donc sur YouTube, hein, n'hésitez pas, dans la description, il y a, comme toujours, il y a les SGF. Donc il y en a un qui amène, vous pouvez voir vos propres SGF, juste, il y a juste le SGF. Et sur l'autre lien, le deuxième, c'est sur Ain Sensei. Donc vous aurez en même temps les, ça c'est le meilleur coup, mais il y a aussi ça et ça de possible, ça c'est une erreur, etc. Et vous pouvez faire vos propres variations, donc n'hésitez pas. Oh, ça va bien, merci, Virgule. Oh, c'est pas indiscret, hein, t'inquiète. Pas de soucis. Donc là, maintenant, il y a un problème pour les deux joueurs. Mais maintenant, Noir, il doit régler ça. Il n'y a pas de base de vie sur ces 5 pierres. Mais en même temps, Blanc, il doit surveiller ça. Donc là, maintenant, il y a un combat qui s'enclenche. Mais entre les deux positions, bah, je peux vous demander déjà hein, qui vous préférez dans cette position. Moi, j'ai l'impression que c'est plus agréable pour Blanc. Parce que Blanc, on a l'impression qu'on voit déjà un peu ses formes d'œil. Et je peux aller les choper rapidement à d'autres endroits même, si je veux. Si je joue ça, ça menace de connecter. Mais s'il m'empêche de connecter avec N2, de toute façon qu'il aura obtenu sur mon moment, je peux aller là. Quand il descend, je peux aller là. Et j'ai un œil ici et un deuxième là. Tac, tac. Bon, c'est un peu moche ma forme, mais en L2 et en L4, j'ai deux yeux, quoi. Et même si, tac, 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 même si lui, il peut aller là plus tard, quand il vient ici, lui, c'est pas un œil, parce que je peux aller là. Donc c'est un faux œil, en O2. Donc il s'en va, et il a tout à fait raison. Est-ce qu'on s'en va aussi?
Il y a des chances qu'on s'en aille, même si ça attaque pas forcément plus, bon, un petit peu forcément, mais pas énormément plus ces pierres-là. Rien que pour le principe de ne pas être enfermé. Quand Noir joue ici, il récupère la force sur l'extérieur, là il ferme tout bien dans cette direction. Et on sent bien que notre pierre ici est isolée. Et vraiment, il y a tout un gros potentiel de noir rapidement ici en fait. Si on fait rien. Donc attention à ça. Ce genre de coup peut être très important. Juste sauter pour séparer l'adversaire. Très souvent, jouer vers le centre, en Toby en plus, ça peut pas être trop mauvais. Et voilà, il essaie de récupérer de la force, très bien. Ça donne envie de monter coupé. Ça donne vraiment envie de compliquer la situation, sachant que je suis safe à peu près partout. Qu'il concède un peu de points quelque part. Ou affaiblir ça. Tac, 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 s'il pousse ici, qu'il pousse là. Je viens ici. Parce que si je pousse là, c'est un peu trop facile pour lui. Voilà, tous les jours il joue ici. Hein. Et quand on pousse dans un Kema, par contre, là, il faut pas que je me rétracte. Si je viens maintenant en S13, c'est un très mauvais échange de faire R14, puis pour Q14. Il faut couper. Quand on pousse, il faut assumer, il faut couper. Sinon, vous faites taper par les doigts. Sur les doigts. Et il joue comme ça. Ok, très agressif. Je m'y attendais pas trop. Je l'avoue. Parce que là, je retire une liberté. Il faudra faire attention, hein, parce que là, si on continue comme ça, même s'il fait des Atari, s'il sort ici, par exemple, il y a Atari et capture. Hein. Donc attention, hein, ici, là, c'est assez périlleux ce qu'il fait, je trouve. Alors. Mais oui, comme tu disais, par contre, Gauchy, ouais, je stream plus beaucoup ce temps-ci. Et à part les parties que je fais pour les vidéos sur YouTube, il y a. Je joue pas. Donc, ouais, là, je suis vraiment en mode. Pas du tout dans le go, là, ces temps-ci. Enfin, pas trop. Donc. Aussi bien, je dis encore plus de bêtises que d'habitude. Bon, on va rester ici. Et là, il a plusieurs problèmes, quand même. Il a un problème par là, il a un problème par là, avec ses pierres. Même si ses pierres sont très difficiles à attaquer. Hein, parce qu'à tout moment, il a le R18, comme on disait. Bonsoir Hello, comment ça va? Elio. Je croisais Monsieur Virgule au congrès, il me semble. Ouais, il me disait qu'il y était, donc possible. Il est sur pas mal d'événements à présenter ses œuvres. Sur YouTube, je mettrai en description si vous voulez le lien vers la chaîne dont je parle là, virgule, art. Art, tout simplement, je sais pas pourquoi je dis en anglais. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que, y a pas vraiment de points pour noir, là, dans la zone. Pour l'instant, j'ai envie de rajouter un coup par ici, j'imagine. Quelque chose du genre. Peut-être ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant comme coup, ouais. D'enfermer, mettre de la pression. Essayer de à peu près rejoindre mes pierres. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ici, ça devient encore dangereux pour noir hein, dans la zone. Parce que, par exemple, je peux avoir ce genre de coup. Qui fait que s'il réagit comme ça, je peux monter et partir ici. Et on voit que là, il faut qu'il fasse ses deux yeux encore. Hein. Et même s'il est sûr de vivre, par exemple, je peux faire des séquences comme ça. Par exemple, si c'était sûr de vivre sur le reste. Et effectivement, il va prendre la pierre. Mais ensuite, je peux aller là. Il capture. Et je peux aller là. Ce qui me donne un peu d'espace pour le coin. Donc, il y a des solutions. Et en plus, avec ce coup en S13, il y a encore les deux pierres en Atari. Donc, on pourrait connecter un peu tous les pierres. Si jamais il n'a pas envie de répondre et de sauver juste deux pierres. Et de perdre le côté, il aurait peut-être pas envie. Donc, c'est encore intéressant là, d'enfermer ça. Là, c'est là. On voit que ça change énormément de choses que blanc ait joué à M9 et que noir ne l'ait pas eu. Parce que si noir avait une pierre ici, la situation changeait énormément sur le goban en fait. C'est nous qui étions séparés de partout.
Là, c'est plutôt Noir qui doit s'inquiéter pour toutes ses pierres. Même si, a priori, ça devrait vivre, hein, c'est très dur de tuer des dragons comme ça. Mais il faut quand même le faire vivre, il faut quand même s'en occuper. Et ça peut être un peu stressant. Il peut y avoir pas mal de. Si, imaginons, il y a un ou des échos plus tard, il y aura de la menace avec ça. Donc c'est pas agréable. Et Tenuki, il est très confiant. Alors, moi, ça me donne envie de mettre la pression, hein, pour le coup là. Parce que oui, ce coup-là est important. Mais là, l'urgence, est-ce que c'est pas de mettre la pression sur ces pierres? Ça donne envie, hein. Il y a sûrement une bonne manière de le faire, hein. Rien que ce coup-là, il est intéressant, je trouve. Même ça. Après, qu'est-ce qui se passe s'il coupe? Tac, tac. Il monte, je vais là. Et il est tranquille assez facilement, hein. Peut-être qu'il faut que j'aille chercher l'aide. Justement, là, comme je dis, là, ce que je dis, c'est s'il coupe ici, tac, tac, tac. Si je pousse par là, bon, il pourra vivre par ici. Mais en plus, mes pierres peuvent être un peu isolées. Les quatre pierres, là, vont devenir. Donc attention à ça. C'est pour ça qu'ici, j'ai peut-être envie de chercher un peu d'aide par ici. Donc avant d'étendre en G17, je vais peut-être aller par là. Il va venir ici. Je viens là. Il y a une coupe qui est dangereuse. Parce que si je coupe, même s'il fait atterrir de ce côté, tac, tac, s'il veut passer par au-dessous, je peux capturer. Tac, tac. Quand je descends, peut-être que ça marche, il faut le lire. Je ne veux pas le jouer là, sinon c'est la triche. Il faut que je le lise d'abord. Tac, 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 tac. J'ai l'impression que c'est compliqué pour lui. Blanc, noir, blanc, noir, blanc. Si noir va là. Il y a double atari. Tac. Il monte. D'accord, il coupe tout de suite. Bon, il va être tranquille sur ces pierres-là. Par contre, ça peut mettre une très grosse pression sur les pierres ici. Attention à ça. Je trouve ça un petit peu dangereux. Je ne sais pas. Sachant que je peux toujours aller là, hein, si je veux. Est-ce que je connecte? S'il tourne, je fais ici. S'il vient là, je fais là. Ça a l'air intéressant ce coup-là. Tac, et s'il vient ici, que je vais là, qu'il va là, ça c'est un peu dangereux. Donc si je vais là, qu'il vient ici, il faut que je continue là. Mais si lui il coupe, chichou. Tac. S'il monte ici, je vais là. S'il part, je pars. Mais s'il va ici, je vais là. Il peut pas me couper, hein. Tac, 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 tac. C'est intéressant de connecter, non? C'est un coup de trop, ça, M12. Et en même temps, imaginez, il n'y a pas M12. Effectivement, s'il jouait là, je pouvais embêter. Tac, il capturait, je faisais Atari, il complétait. Et on protégeait d'une manière ou d'une autre, et c'était embêtant pour lui, quoi. À voir. Salut Foc, comment tu vas? Tapé par les doigts de. Oui, c'est. Je raconte n'importe quoi, oui. C'est la fatigue, là, j'ai eu une grosse journée. Après, ça fait du bien aussi des fois de faire un peu pause dans le go parce que quand on revient, on réfléchit à moins de choses peut-être aussi. On a moins nos dernières habitudes, des mauvais coups, des trucs, on a vraiment envie de faire ça ou de s'entêter. Donc peut-être qu'on joue un peu plus propre. On n'est pas forcément meilleur, mais on se prend peut-être moins la tête. Donc là, j'ai l'impression que je. Bon, forcément, hein, y a des erreurs parce que je suis quand même à l'étroit ici, hein. Mais j'ai l'impression que c'est un peu plus propre que d'autres fois. Ouais, ça met le YouTube de Fulgurogo et le Discord. N'hésitez pas à rejoindre si jamais ce n'est pas fait.
Je ne sais pas comment c'est possible, mais il publie aussi deux fois, deux, trois fois par semaine, selon ses dispos, des commentaires de parties de pro. Donc japonais, coréen, chinois. Et il commente ça, voilà, il explique les coups, surtout, des joueurs. Pourquoi est-ce qu'ils ont joué telle ou telle séquence? Et sinon, sur son Discord, il organise beaucoup de tournois comme celui-là et c'est très actif. Ça va bien, merci. Et toi? Je bug, désolé, hein, c'est la fatigue. Comment tu vas, fuck? Ouais, je vais ici. Là, j'imagine que dans sa tête, c'est s'il fait ça, effectivement, je ne peux pas connecter, sinon il va là. Hein. Mais quand il va là, je fais ça. S'il force, je vais là. S'il force, je capture. Pas tant que ça de problème. Et en plus, là, on continue à mettre une pression sur toutes ces pierres. C'est assez intéressant, je trouve. Il faudrait qu'un jour, il puisse obtenir ça au moins, quand même. Pour permettre de peut-être vivre. Bon, on se rejoint un peu niveau temps, ça c'est bien, parce que j'ai utilisé beaucoup de temps au début de partie là. Je parle beaucoup. Là, c'est normal qu'il prenne un peu de temps parce que la situation n'est pas vraiment facile pour lui. Il y a quand même. Il n'y a pas de truc de chiffres ici? Non. Il y a quand même trois positions qui sont un peu compliquées. Attends, c'est quoi ça? Il y a une position ici, une position par là et une position par là qui sont assez compliquées. Un peu nul comme truc. Donc une position ici, une position là, je découvre en même temps hein, le logiciel, et une position par là. Là, il a trois points à surveiller. Donc vraiment, attention à ça. Un peu bizarre, là, il y a des trucs que j'utilise de la main, mais on se demande pourquoi. Ce sera un peu bizarre de mettre des trucs comme ça. Hop. Et il protège. Et il a raison. Donc maintenant, à moi de protéger. En soi, c'est sainteté. C'est très sainteté de faire ça. Parce que maintenant, s'il joue là, non, s'il joue là, j'ai plus cette attaque. Si je connecte, il coupe. Si je connecte, il coupe. Donc là, je dois protéger. Mais je suis assez content de protéger. Parce que je retire une liberté. Il a plus que 3 libertés sur ça. Quand on passe à 3 ou 4 libertés, le groupe est quand même en danger, en général. C'est vraiment surveiller la 3 liberté, ça fait assez peu. Cela dit, mon groupe aussi, hein, mais c'est plus simple pour moi. S'il pousse ici, je vais là. On connecte nos pierres. Et s'il pousse là, voilà. S'il pousse, atterrit. Tac, 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 tac. Donc ça, c'est compliqué. Donc je choisis de pousser de ce côté. Je regarde juste s'il n'y a pas ça d'abord. Non, il n'y a pas ça. Il capture tout simplement la pierre, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est la destination. Et ça, retire la liberté. Il coupe, atterrit. Tac, atterrit. Tac. On vient là. Ah, on se complique vraiment la situation sauf ça. Et celui-là, non plus. Tu l'as dit, avec celui-là, il pousse, il faut encore répondre.
Mais on menace de couper, donc il a envie de connecter d'une façon ou d'une autre. Et il faut vérifier qu'on soit bien vivant ici avec tout ça. Mais encore une fois, on pourra faire ça. Non, on pourra faire ça. Ah, je sais pas. Est-ce qu'on est vivant dans ça? Il faut aller là, tac, tac. Il faudra jouer ce coup-là alors. Il faudra jouer ce coup-là, ce sera impératif. De faire les deux yeux dont on parlait tout à l'heure, L2 et L4. On va faire ça. Après, il peut aller à l'intérieur ici quand même. Tac, tac. Allez là. Atari. Tac. Connect. Bah non, c'est plus intéressant pour lui d'aller en M10, je pense. S'il va en M10, ça me force un peu à. Oh, quoi qu'on pourra faire ça. De toute façon, c'est pas ce qui se passe. Ok. Ce n'est pas ce qui se passe dans la partie. Donc ça c'est un peu risqué parce qu'il peut faire Atari. Je pense qu'on va juste connecter en bambou. Menacer d'aller par là. On a ce genre de coup aussi qui est intéressant. Ce qu'on aurait fait s'il avait joué en M10, justement, là, ce que j'allais dire. Parce que là, si je joue ici. Ouais, non, c'est pas forcément fou. Bon, allez, on connecte. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut laisser ce genre de coup après, même s'il a Atari, bah, je réponds à l'Atari. Et il peut pas empêcher l'œil, parce que s'il vient là, je peux faire cet Atari-là. Et en même temps, comme on dit, s'il protège là, mince, peut-être pas ce coup-là, mais celui-là plutôt, on peut capturer. Donc là, on va approuver, on n'a pas trop de problèmes. Sauf s'il fait tout de suite un coup comme ça. Mais en fait, ça sert pas à grand-chose parce qu'on peut sortir. Ça va, merci. Bah ouais, ça fait plaisir de pouvoir streamer un petit peu. On va essayer de reprendre tranquillement, une, deux fois par semaine. Déjà, pendant, il y a quoi, il y a 7 ou 8 rondes, et c'est, on a une semaine pour jouer ça à peine. Donc déjà, une fois par semaine, il y aura une partie de tournoi, comme là. Donc en fait, c'est sûr qu'il y aura une fois par semaine. Si mon adversaire veut bien que je le stream. Parce que c'est pas forcé, en fait. Faut pas que je prenne ça comme un acquis. Ici, est-ce que c'est intéressant? Parce que encore une fois, c'est un kemar. Hein. Encore une fois, on a une relation de kemar entre ces deux pierres, exactement comme il y avait ça et ça. Et la question, c'est est-ce que j'ai envie de pousser et de couper? Peut-être pas. Peut-être un peu gourmand. Que je jouerai pas par là ou par là. En fait, si je suis sûr d'être vivant, ça peut être intéressant, mais je ne suis pas sûr d'être vivant. Enfin, j'ai ce coup-là toujours. Qui a toujours la même logique que tout à l'heure. Mais quand je vais jouer ici ou là, un de ces coups-là, un de ces trois là, les trois en diagonale, peut être intéressant. Même celui-là peut être intéressant. Si je change de statut de cette position, ce coup ne pourrait plus marcher plus tard. Et là, maintenant, j'ai un œil ici, mais j'en ai pas deux. Il faudrait le M2. Donc, je sais pas. Après, je peux faire ça. Hein. Tac. Tac. Allez là. S'il vient ici, il y a Atari. Ah, mais il peut revenir là. Non, il faudrait d'abord répondre. Ouais, tac, tac, tac. Dans ce cas-là, je fais pas la coupe. Ça peut pas mal renforcer. Et ensuite, je peux venir par là. Il faut qu'il joue ici, je joue là. Il vient là, et ensuite, j'ai cette possibilité. Mais en même temps, si je joue pas ça, si je joue par là, tac, on a une possibilité de. En fait, c'est miaille. C'est équivalent là ou là. Pour la bonne cause, peut-être blanc, noir, blanc, noir. Tant pis, on le renforce. Et on attaque virulemment ici. Tac, tac, tac.
Tac. Même ça. Ça donne envie, hein. Ça donne envie d'être agressif. S'il vient ici, par contre, il faut que je fasse attention à répondre là, pas faire l'atari. Parce que quand il vient là, si je fais l'atari, il peut d'abord venir là, je protège, puis il protéger de la manière dont il a fait, dont il vient de jouer là, par exemple. Ah bah non, non, ça marchait pas. Non, bah non, en fait, ça change rien. De toute façon, c'est pas la partie. Donc là, ce que je dis, c'est s'il vient là, je viens là. Et là, maintenant, il ne peut pas à la fois protéger en P10 pour empêcher de faire un œil, mais en même temps empêcher de faire M2. Donc, j'aurai un œil à un endroit ou à un autre. Et j'en ai déjà un potentiellement quand même vers L5. Donc, on peut attaquer son groupe ici. Mais c'est vrai que si on se foire, on a quand même beaucoup renforcé. Il a un mur incroyable ici. Hein. Là, il faut imaginer un coup noir ici. Il y a quand même pas mal de points à produire. Donc, je sais pas si c'était la meilleure solution. Peut-être reculer comme ça. Ou ça. Là, j'ai une liberté de plus, en fait. Il descend ici, et on fait d'abord ça. Parce que si je joue direct comme un bourrin comme ça, en fait, pour empêcher l'œil, certes, il coupe là, je vais là, et oui, il a pas d'œil. Mais il a une pierre en T13. Il peut ensuite attaquer en R18, pour voir hein, le coin comment ça se passe. Là, si je recule, ou monte, hein, peu importe, quand il vient là... Ah, je sais pas. Non, ce coup-là a l'air plus intéressant. Allez. Mais oui, quand je dis quand il descend en S13, au lieu de retirer son œil direct, je joue par ici en Q18 moi-même. Il va en P18, je protège tout simplement. Et en fait, ça met une super pression sur son groupe. Il faut pas qu'il meure non plus. J'aurai un coup en O18 derrière, donc il a envie de rajouter un coup en O17 par exemple, plutôt pour protéger. Et ensuite, je pourrais jouer le T12. On aura quand même beaucoup plus d'espace. Ah, j'ai oublié de dire sur le Discord de Fulgurogo que je streamais. Il avait dit que je pouvais faire ça. C'est un peu tard. Qu'il a potentiellement un œil ici. Est-ce qu'on peut jouer ce coup sans trop craindre? Je vais déjà venir ici, je pense. Et ensuite, là, une fois qu'il aura répondu en N2, je pense que je vais aller tout de suite en Q18. Je vais plutôt régler mes problèmes avant de trop agir sur ça. Salut Fatbou, comment tu vas?
Désolé, il y a un petit décalage de 2 minutes entre quand je vois le chat, je réponds et vous vous entendez. Ça lui fait peut-être vivre. Ah non, parce que je viens là. Ensuite, il a ça, j'ai là. Ah, c'est vraiment pas facile pour lui. Hein. La pression, elle est vraiment sur lui. Là. Moi, c'est plutôt comment est-ce que je l'embête le plus possible. Il faut que je finisse Sente si je le tue pas, en tout cas. Ça serait dramatique de ne pas le tuer et de qu'il finisse Sente. Le Sente, il serait utile pour faire quelque chose par là, pour Blanc. Rien que détresse finalement. C'est pour ça que c'est intéressant de ne pas avoir touché tout ça. Parce que finalement, maintenant, faire détresse, ça serait cool. Qui me fait reculer par exemple en jouant E13, je recule ici en D12. Et en fait, ces petites pierres, elles menacent à la fois de s'installer et en même temps retirent un peu de potentiel ici. Ok, il m'empêche de connecter et en même temps, si. Ouais, en même temps, ça fait des faiblesses. Je suis pas sûr que ça m'empêche tant que ça de connecter. Si je capture, il fait Atari. Je capture. Et s'il descend, je peux couper. Donc ça m'empêche pas de. Ah, ça met un message de Kofi tout seul. Ok, il faudrait que je le désactive ça. Pardon, du coup, vous avez en double. Désolé. Ouais, ici, comme je le dis, ça, son coup en fait n'empêche pas. Si c'était en tout cas m'empêcher de connecter, ben maintenant, si plus tard je vais là, même s'il fait contre-attaque, je vais là. S'il descend, ben, je coupe en N3 et il peut plus bouger. On fait quand même plus propre. Tac, tac, tac. Voilà. Ici, il peut plus bouger. Et s'il connecte en N3, je connecte en N1. Donc y a pas de souci. Et si c'était dans l'objectif de faire de vivre, bon, en fait j'ai encore P1, j'ai encore N3, donc c'est pas un œil ou deux. Même si j'étais Nuki, que je joue là par exemple, quand il vient ici, je peux encore aller là. Il vient de ce côté. Très bien. Donc là maintenant ce que j'ai envie de faire, c'est mettre de la pression sur ses pierres plutôt. Venir par là. On connecte. Et là, ça menace quand même des coups par ici. Qui ont le mérite d'être un peu chiant. Parce que. Donc là, je regarde ce coup. S'il connecte ici. Je vais par là. Non, par là. On a peut-être ce genre de coup aussi. Tac. S'il descend, je fais ça. S'il va là, je connecte. S'il connecte, je peux aller là.
Sens qu'il y a des petits trucs par là. Et ici, qu'est-ce qu'il fait s'il vient y jouer ici? Même là, s'il vient là. En fait, ce qui menace, c'est peut-être d'aller là tout de suite. Si je vais là, il peut aussi faire atterri, tac tac, y aller là. Ici, je crois qu'il faut que je connecte comme ça, c'est un peu bizarre, mais si je fais ça, je vous montre. Si je fais ça, ça lui permet de faire ça. Je connecte et il vient là. Je ne peux pas couper. Et du coup, mes positions en L2, je pourrais peut-être faire un œil, mais dans ce cas-là, il faudrait que je rajoute un coup et je n'aurai pas l'œil en haut. Ici, c'est des faux œils au milieu, donc je serai mort. Ça a l'air compliqué. Alors que si je connecte direct, ça a l'air plus simple. Parce que si je joue là, je peux jouer là. J'ai l'impression que ce coup-là est intéressant. Ce qui me conserve aussi le P1 et le N3. Et ça me garde le K2. Pas évident. Garde un œil sur ce qui se passe en haut, par contre. Alors, O18 ou N18, ces deux coups-là attirent vachement. O18, pourquoi? Parce que s'il descend en P19, je peux aller en P17. Certes, il capture ma pierre en faisant O17, mais dans ce cas-là, je peux aller en O19, il capture en P16. Je fais atterri en Q19, il rejoue en P17 pour pas se faire capturer. Je peux aller en L18. Il va en M18. Et je vais en O15 et il est mort. Ouais. Donc à O18, qu'est-ce qu'il pourrait répondre d'autre? Il connecte en P17. Dans ce cas-là, je vais en N18. Il connecte en M10. Bah, il bloque en M18. Je vais en P19. Ouf. Ok. Donc là, il est vraiment. Il n'y a aucun problème ici, il n'y a aucun problème là. Ok. Peut-être ici, hein, il n'y a aucun problème. C'est vrai. À voir, mais. Parce qu'en vrai, blanc, noir. Blanc, noir, blanc.
Blanc, noir, blanc, noir. Donc noir, s'il veut absolument garder ses trucs, il jouerait par ici. Ah non, mais je crois qu'on n'importe quoi, il a juste à jouer en T12. Par contre, n'importe quoi. Ici, ça menace pas du tout de couper. Enfin, si, non. Si, 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 avec le P5, si, si. Mais bon, et ça menace quand même mon coin. Tac. Tac, je fais là. Blanc, noir, blanc, noir, blanc. Le noir maintenant peut forcer ici. Et si je vais là, je peux faire attaque. Ouais, c'est nul. C'est nul ce que j'ai fait. Non, j'ai halluciné. Bon. J'ai halluciné. Zut. Ah, c'est dommage, là. Parce qu'il gagne ce coup et j'ai pas répondu. Et en vrai, la descente ici, elle est super douloureuse. Ah non, j'ai merdé là. Parce que même si je le tue, il a ça qui est énorme, il peut encore jouer. Hein. Il peut encore clairement jouer la partie. Ah, c'est dommage. Hein. Ce coup, c'est vraiment un coup que j'aurais aimé avoir peut-être à un moment. Ouais. Ah, c'est pas bon. Et il me reste 4 minutes 23, il faut vraiment que je fasse attention au temps. Parce qu'il n'y a pas de BEMI. Il n'y a pas de BEMI. Ok, il joue cette séquence. Est-ce que je peux pas m'en aller là tout simplement en fait? Non, peut-être que cette séquence est bien, on en parlait. Tac. Ouais, mais non, il a N18. À un moment. Ah, j'ai l'impression que tout foire là. Ouais, ça va être douloureux là, il va avoir beaucoup de points. Nous, on n'a pas tant que ça de points finalement. Si on ne tue rien, on n'a pas tant que ça de points. Hein. Ah, c'est compliqué. En plus, on n'est pas vivant avec ça. Ouais, là, la partie, elle se retourne complètement. Hein. Allez, D7, ça va être game changer, ça. Le problème, c'est quand je vais en N18, il bloque en M18, et même si je fais O15, il peut encore glisser en K18. Et là, je viens là, mais il peut venir ici, je protège, et ensuite il vit. Bon, ça aura le mérite de renforcer un peu mon groupe, mais il vit, quoi.
Peut-être qu'il va faire L18 d'abord même. Non. Non, c'est risqué. Quoique. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire O15? Ouais, c'est ça la question. Parce qu'en fait, quand il protège, que je fais ça, qui fait ça? Je peux venir là? Même s'il vient ici, je peux venir là. S'il vient ici, je protège. S'il fait ça, je fais ça. S'il fait ça, je fais ça. Ouais, non, en fait, ici, il n'y a pas d'œil. Noir, blanc, noir, blanc. Noir, blanc, noir, blanc. C'est moche. Mais il n'y a pas d'œil. Mais c'est moche. Ça, ouais. Ok, donc il est mort. Bon, au moins, ça c'est fait. On va jouer ici, de toute façon, mais... Voilà, il y a une sacrée faiblesse. Hein. Mais... Il faut compter. Ah bah non, j'ai pas trop de temps, j'ai 4 minutes. Ah! Je vais essayer de compter rapido. Donc ici, il y a quoi? 15 points. On va en avoir 20 au total sur ça. En étant optimiste. Plus 10, 30. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Déjà 24 points avec ça. Il y a bien une vingtaine de plus. On a bien 45 points ici, 75. Bon, allez, on est à 80 points. Ouh! Euh, 80 points. Et lui. Enfin, c'est dur à estimer ça. Mais il y a ça et voilà quoi. Il faut qu'il y ait 80 ici. Parce que là, il y a 1, 2, bon, il y a 5 points, on va dire. On va être gentil. Il y a 5 points. Donc il faut 75 ici. Il y a toujours mes points d'invasion. C'est 16, c'est 15. Puis bon, on peut réduire peut-être. Après, ça va souffrir quoi. Mais c'est marrant, s'il voyait une façon de faire vivre ce truc, pourquoi est-ce qu'il a joué C7? Bizarre. Bonsoir Sophie, ça va? Ouais, peut-être qu'un de ces coups suffirait en termes de points. Est-ce qu'on en ferait quelques-uns aussi? Ok, ouais. Il utilise vraiment la pression qu'il peut y avoir avec ça. Noir. Non. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Pas de biomimie, c'est compliqué, je trouve. Ouais, mais à chaque coup que je joue, je remince pas. À chaque coup que je joue, je regagne 20 secondes sur moi en horloge, donc c'est 2 en 2, non? Je vais jouer ça très solide, mais on regagne de la force un peu sur l'extérieur. Ça empêche de faire un atari ici pour lui, qui serait chiant encore sur ma forme. On essaie de jouer dans cette direction, en fait. Parce que c'est là où il va y avoir les points pour lui. On essaie de jouer vers là. On souffre, hein. Ce groupe il ne vit que par le meurtre de l'autre en fait. C'est bien, il va jouer M18 juste pour gagner des libertés, ça peut être intéressant pour lui. En vrai, ouais, faudrait qu'il joue, mince, faudrait qu'il joue ça. Ça me force à rajouter un coup, j'ai l'impression. Et il gagne pas mal de libertés grâce à ça. En vue d'un jour avoir un CMA, une course à liberté avec tout ça. Ça peut être intéressant. Et il m'attaque lourdement ici. Faut que je fasse attention. Hein.
Et en même temps, si je viens par là, il a ça, tac tac, il a ça, je connecte et il joue par là. Parce que là, si je joue ça. Ouais, autant faire un œil. Parce que là, ça. Encore une fois, il vient ici. Si je fais ça, tac 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 tac, je suis mort. Ok, de toute façon, ça ne marche pas. On vient ici. On fait un œil. Ouais, il reste ses points d'invasion, du coup, on en parle. Celui-là devient quand même beaucoup plus compliqué. On verra. Mais voilà, c'est grosso modo ça, et un petit coup de réduction par ici, en vrai. Mais bon. On compte 80 points pour blanc. Donc faut que noir en fasse 80 s'il veut rivaliser. En soi, ouais, ça peut être gros ça. Imaginons ici. Ici, je compte 83 sur tout ça. Plus une quinzaine ici. Donc pour l'instant, il a une centaine, on va dire. C'est suffisant, hein? Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Une minute trente, fais attention. 1 minute 30, c'est vraiment chaud. Ouais, par là, il faut que je réduise en fait. Je me dis un petit truc santé par ici, sauter là et menacer de venir en C16. C15 plutôt. Je pense que C15 est plus intéressant. Parce que C15 menace de s'installer dans le coin alors que C16 menace de s'installer plutôt ici. C15, c'est. Si tu comptes 2. 2. J'ai pas compris, fuck. Si tu comptes 2. De quoi? Ouais, ici, les petites séquences, c'est normalement tac, tac. On fait ça. Des trucs genre quoi. Et ça peut changer, parce que là, il est très fort sur l'extérieur, donc. On va voir ce qu'il veut vraiment. Donc ici ou là? Si je vais là. Celui-là, alors, ça a l'air intéressant de faire ça. Tac, tac.
Ok. Il complique la situation quand même ici. Attention à ce que je réduise pas trop non plus. Ah, mais ça marche pas mon truc. Ah là là. Là c'est pas très bon ça. Ah ça marche pas du tout mon truc, je me fais couper. Ah là 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 là. Non, c'est nul. Ah zut, j'étais trop gourmand avec J12. J'ai joué très rapidement en plus. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ouais, là c'est désastreux, hein. Je me demande si la partie elle joue pas sur ça. J'avais sûrement des séquences pour prendre un peu par là et tout. Là non, il prend les points ici, je les avais pas comptés tout à l'heure. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, c'est pas facile. Alors, pardon, j'avais pas lu du coup. 80 pour noir, 88 pour 80 points pour noir, 88 pour noir pour gagner avec lui. Pour blanc. Ok. Jigo, c'est. Green Coder, c'est égalité. C'est en gros, là, il y a le commis, il a 7, il passe à 7,5, et du coup, il peut y avoir égalité. Faut pas donner d'information à Bresto autant que possible, vu que c'est un tournoi. Ouais. Ouais, Goshi. Après, on peut toujours lui dire qu'il est mauvais. J'ai l'impression que c'est des informations très importantes, mais c'est vrai, je redirai plus ça. Vital, t'as raison, mais je préfère dire. Ouais, mais là, je vois bien la petite avance de noir, mais oui. Mais oui, effectivement, il vaut mieux éviter de dire trop. Mais oui, si tu veux, je te mettrai Modo, Goshi. J'ai même pas de Modo, donc ça peut être pratique si tu veux bien. Pour des moments comme ça, surtout, quoi. On essaie de réduire, hein, mais bon. Attention quand même, là, il y a une petite faiblesse. Est-ce que c'est pas le moment?
Bon, on réduit en tant qu'il l'autorise. Circule, on connecte. C'est déjà pas mal. Je sais pas si j'ai des trucs avec C13, il fait atterri, je monte. Mais finalement, il protège par ici. Et ensuite, je peux recouvrir. Il va là, je vais là. Et c'est compliqué. Il faudrait que je rajoute cette pierre d'abord. Ou celle-là. Tac, tac. Compliqué. Il recule comme ça, très bien. Peut-être que ça, c'est plus gros. Tac, tac, tac. D'abord, ça, je pense, c'est gros. Ah bon, tu m'as demandé, Cocro? Je savais pas. T'as dû me le demander en belge. Xénophobie anti-belge. Le dites pas trop fort, c'est quand même un tournoi de Fulgurogo. Il préfère les joueurs forts. C'est ça. C'est chiant parce qu'ici il connecte ici, je peux aller là, mais en même temps s'il va là, je pourrais réduire ici. Ok, la réduction est faite ici un peu. Peut-être qu'on aura envie d'aller ailleurs ensuite. Ok, lui, il va bourrin, il a raison. Coup de liberté ici, hein, c'est peut-être un peu risqué tout ça. Oh, que je vais crever, ouais. Oh là 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 là. C'est dur. Mais oui, j'ai qu'un œil. Et lui, il a pas mal de liberté intérieure. Je crois que je vais crever. Oh là là, bon c'est mérité de sa part. Hein. J'ai fait de la merde. Blanc. Noir. Blanc. Non. Blanc, noir, blanc. Noir capture. Blanc vient ici. Il y a longtemps tu m'as snobé, genre pas besoin. Ah oui, je disais petite chaîne et tout, mais c'est vrai que ça peut être utile pour ce genre de partie. Non, je tente, hein, j'ai pas trop de temps en fait. Ah ok. Bon, à tous les viewers en fait, quoi, fuck. Est-ce que ça donnerait pas un séki tout ça? Du coup maintenant, noir, blanc, noir, blanc, j'ai plus que deux libertés ici. Noir, disons. Blanc.
Non, noir, ils doivent commencer par ici. Noir, blanc, noir, blanc. Ouais, ça va être Seki. Hein. Un œil chacun avec une liberté en P15 en commun. Ça va être Seki. Il vient pas de changer le statut? Noir, blanc, noir, blanc, noir. Non, c'est pareil. C'est qui? Voilà, c'est fait normalement pour tous les trois. La question est, est-ce que ici, j'ai besoin de rajouter un coup? Si c'est lui qui joue en premier, noir. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Il capture et je viens là. Donc il n'y a pas besoin, voilà. Donc si c'est lui qui joue en premier, moi si je joue Tenuki, c'est lui qui joue en premier, c'est qui? Et si c'est moi qui joue en premier, blanc. Je peux aller là d'abord, non ça je crois. Blanc. Noir. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, c'est qui quand même, donc en fait ça change rien. Bon bah on va jouer par là. Il me reste 30 secondes. Blanc, noir. Faut tenter des trucs. Bon, en vrai, maintenant que j'ai pu tuer ça, la partie, elle semble game over. Hein. Parce que c'est beaucoup de points en moins. C'est chiant. En vrai, même s'il me laisse vivre tranquille. Ouais, oui, il me laisse vivre tranquille et c'est largement suffisant pour lui, non?
Partie est perdue, c'est dommage. Hein. C'est vraiment la partie, elle commençait bien, et petit à petit, je sombrais dans les abysses. Bon, ici, ma petite idée, c'est... Bon, effectivement, s'il défend par là, je peux descendre ici et capturer ces deux pierres. Ça va pas changer le résultat, hein, mais bon. Mais en même temps, s'il fuit là, je peux pousser. Je peux pas bloquer, sinon je capture. Mais s'il recule, je pousse. Je peux pas bloquer, sinon je capture. Mais s'il pousse, ça commence à faire la terre ici. Ça commence à être douloureux. En vrai, là, je pense qu'il a envie de faire ça. Je vais là. Il vient par ici. Et il règle cette histoire en me donnant pas trop. Mais en vrai, il est bien. Bon, je viens par là ensuite, mais ouais, ça a l'air suffisant pour lui. Comme je tue pas ça finalement. G3, c'est peut-être intéressant aussi. Je peux pas connecter, sinon je descends, et là, ça semble compliqué pour sa survie. Donc avec ça, en fait, il va en G2. Et je peux venir couper? Non. Après ça, il faut que je... recule ici. Non, que j'aille en F4, et s'il recule ici, je peux couper. C'est ça. Je m'y attendais pas trop à ce coup-là. Ouais, mais c'est un peu dommage, non? Bon, il faut réfléchir 2 secondes. Si je fais ça, son idée, c'est sûrement d'aller là, je capture... et il protège par là. Donc ça, ça l'arrangerait si je fais ça. Par contre, je peux venir jusqu'ici. Tac. Et s'il vient là, je peux atterrir, puis atterrir. Là, on peut forcer par ici. Forcer là. Ouais, en vrai, il va sauver tout ça, il va quand même reprendre ça, il coupe. Ah ouais? Ah, moi, je pense que je coupe à sa place. Atari, tac, je coupe, et il sauve tout ça. Je pense que ces 4 pierres, c'était plus petit. Je pense vraiment, non? Ce que je voyais, moi, c'était... il coupait. Et c'est moi qui faisais Atari là. Du coup, il allait là. Et je prenais les pierres. Il refermait, il gardait tout ça. Il me donnait ouais, les points ici, mais là, il perd beaucoup plus sur le centre, non? J'ai l'impression.
On vient par là. S'il fait Atari ici, on recule là. Voilà, c'était pour récupérer du temps, je pense. Je pense que c'était pour ça, c'est le genre de séquence. Non, c'est nul ce que je fais. J'aurais dû connecter ici. Oui, c'était ici que je devais connecter. Là, il me coupe tout simplement. Voilà. Ok, c'est mauvais. C'est mauvais. Ouais, mais. Ah! Bon, il l'a pas vu. Avec son truc ici, il vient de me renforcer, là. Du coup, ça marche. Faut que j'aille là d'abord. Je crois qu'il abandonne. Il vient de perdre un gros morceau, là. Ici, il est obligé de répondre, sinon je vais là. Si je peux aller là, il capture et je reviens ensuite en P8 et il a qu'un œil. Je l'ai fraîché, il est mort tout le truc. Sauf que maintenant, s'il vient là, il va connecter ici, je vais couper là. Même s'il peut faire Atari, ça a l'air compliqué. Donc il perd tout le sud. C'est con. Juste à cause de son Q1 qui était pour gagner du temps et il m'a renforcé. Je l'ai même pas vu direct alors que j'espérais tout à l'heure quand je parlais de la séquence, j'ai pas touché parce que j'espérais ça et je l'ai oublié avec tout ce qui s'est passé ensuite. Là je viens de m'en rappeler, juste après mon N1, qui aurait pu, justement, après le N1, il aurait dû connecter les pierres et laisser que ça entre guillemets. C'est gros. C'est gros, c'est gros. Ok. Tac, tac, tac. Oui, mais non. Attends. Blanc, noir, blanc. Noir. Blanc. Et il dit noir. Ah oui, non, il a raison. Ok, ça marche pas. Bon, moi j'ai rien dit. Ah ouais. Blanc. Noir. Blanc. Noir, blanc, noir.
Enfin, cela dit, je peux aller ici. Ouais, mais s'il descend. Non, il faut que j'aille là. Et s'il va là. Et là, il va là. Ah, ça marche pas parce que ça remet atterri sur cette pierre. Dommage. Je lisais un truc qui aurait pu être intéressant. Je joue là. C'est vraiment faire la séquence. Hein. Tac, 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 tac. Mais ensuite il vient là et je lisais ça. Tac, tac. Et quand je pousse là, quand il vient ici, quand je refais atterri, bon, ils peuvent pas, ils captureraient pas en R3 parce que c'est snapback. Mais du coup, ils capturent là et je lisais. Cet atari ensuite, mais non, puisqu'il peut capturer cette pierre. Si, sinon, ça, c'était bon. Dommage. C'est ce que j'étais en train de dire et j'ai failli perdre pas le temps en lisant tout seul. Encore une fois. Aïe aïe aïe. C'est intéressant parce que s'il fait atterrir sur cette pierre, je pense que c'est une petite erreur. Ce que je vois, c'est tac, tac. Ici, capture, elle est là. On va voir ce que ça donne. Désolé, hein, je lis plus trop au message. Sans combien de rondes? Ça, je peux le voir tout de suite. Fulgurogo. Il y a 6. Donc là, la première, c'est 28 septembre au 1er octobre. La deuxième, c'est du 2 au 5. Ah oui, c'est même plus. C'est très rapide en fait. Là, il y aura plus d'une vidéo par semaine. Ah oui, je dois jouer d'ici le 5 après. Ah. On verra quand on cale ça. Ça sera vendredi ou samedi si mon adversaire veut bien. Rond 3 ensuite entre le dimanche et le mercredi suivant. Donc là, d'ici mercredi la semaine prochaine, il y aura eu deux autres parties. Quand même. Et je devais m'inscrire normalement à un autre où c'est on a 2 semaines et tout, mais j'ai loupé la date. Oups. C'est pas con, c'est beau. Je sais pas de quoi tu parles du coup. À moins que tu parlais de ça. Ouais, sûrement des séquences ici. Il se fait des sueurs tout seul. Oui. Est-ce que j'ai le droit de Tenuki ça? Si noir vient là, blanc vient ici. Noir, noir est là, ouais. Donc je suis obligé d'aller là. Mais cela dit, il ferme son territoire tranquillement en santé.
Quand il fait T14, T15, c'est pas chiant avec T16. Tac. Ensuite, il joue T18. Oh, ça peut être chiant. Ouais. À voir. Je joue rapide parce que j'ai envie de regagner un peu de temps. Donc le coup dont on parlait tout à l'heure. C'est juste dans l'optique de réduire au max, hein, mais il a beaucoup de points ici, hein, quand même. Il a beaucoup de points. Ici, on a quoi? On a 10 points. Ici, on a 15. 25. Très difficilement 35, je pense. 40. On est vers 45 grand max, quoi, je dirais. C'est compliqué, hein. On n'a capturé aucune pierre. Lui, les pierres capturées, on va dire, ça fait le commis. Donc il faut qu'il y ait 40 sur le Goban. Il a 40 ici. Ouais, il a large gagné. Et pourtant, on a réduit, hein. Ouf. Ouais, il met beaucoup de points. Il me met beaucoup de points dans la gueule. Peut-être qu'il faudrait que j'abandonne. Hein. Je me demande. Dix, Oh là là. neuf, huit, sept, six. 5, 4, 3, Ouais, je vois pas. 2, Bon, allez. 1. Je vois pas. Je vois Noir rien pour gagne. attraper. Bien joué à lui. C'est mérité. Ouais, voilà. Plus de 20 points d'avance, je comptais. Il s'est mérité. Il y a eu un moment où vraiment c'est parti cacahuète. Vous voyez sur le graphe. Alors, on va regarder ça un peu. Non, tu disais la coupe marche. Comment ça, elle marche? Donc, blanc, noir. Vas-y, dis-moi comment tu fais. Bah comme ça. Je suis débile, c'est moi qui m'a même qui ai répondu juste après. Je sais pas pourquoi, j'imaginais que ça marchait pas. Oh là là. Mais non, mais ça marche et je suis devant. Quelle honte! Oh là là! Et regardez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bah non, il l'aurait pas joué comme ça du coup. Autant pour moi, il faut pas compter comme ça, il faut compter comme ça. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, ça aurait peut-être pas suffi! En tout cas, merci à tous hein, pour les GG là au-dessus. Merci à tous. Zanga, Padbou, Valoa. Mais ça aurait pas suffi à prouver. Bon, c'était très serré du coup, hein, mais c'était trop, il manque 3 points hein, et le UC n'est pas fini pour le coup. Ah il y a aussi en haut où tu étais mort au lieu de Seki au milieu. Attends, quoi? Ah ouais? Ok. C'est pas de bol. C'est pas de bol, ouais, comme tu dis. Ah, c'est dommage. J'aime bien mon début de partie pourtant. Je pense qu'on est bien. Pense vraiment que c'est intéressant comme début de partie. On a Cro 2.0.
Là, tout ça, je pense que c'est intéressant. Mais ce coup-là, peut-être, c'est pas le bon timing. Peut-être que je dois jouer ça tout de suite. Peut-être même ça. Ouais, ça aurait pu être intéressant. Clairement. Je peux en décaler. Sais pas. Ça, il fait quoi? Connect? Non, en vrai, ça change pas mal de choses, ça. Parce que maintenant, quand je viens là, s'il fait la même. Tac, tac. Donc il est sûr de faire un œil s'il prend, mais il faut rajouter un coup. Et encore sûr de faire un œil. Il faut prendre la pierre. Mais là maintenant je joue ça. Et quand il vient ici, ça devient très intéressant de faire ça. Parce que du coup. Non. Non, en fait non. Enfin si, c'est intéressant quand même, mais de venir en T12, mais c'est pas un faux œil ici. Donc il a un œil. R9 tout simplement ici. Dans l'idée que s'il fait un coup comme ça, tac, tac, tac. Et en vrai, ça suffit. Bon, ça change rien en fait de 8. C'est vrai que ça c'est un faux œil potentiellement. Ouais, c'est pas mal, hein. Non, c'est pas mal parce que après quand il vient là, tac, ça menace de faire un faux œil ici aussi. C'est très compliqué pour Noir. Hein. En réponse à Q8. Pardon. Ah, en réponse à mon Q8. Ok. Donc attends. Oui, c'est ce que je regardais en fait. Juste avant, tac. Le problème c'est ici, si je sors là, il n'y a vraiment aucun œil ici, ça semble compliqué. Mais si le. S'il le prend comme ça, c'est bon, je suis déjà à l'intérieur. Contrairement à l'autre séquence, dans la partie où je suis venu après à l'intérieur. J'ai dû rajouter un coup. Je sais pas. Et si là je suis déjà dedans, oh, je sais plus où c'est. Là. Attends, c'est même pas la même chose que j'avais répondu. Ouais, c'est parce que là tu réponds ça, tac, 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 tac. Là je suis déjà dedans, c'est pas mal en vrai. À plus Zenga. Merci pour l'abonnement et à. Ah du coup, bah, je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant sur le Discord et sur YouTube potentiellement. N'hésitez pas à checker. Surtout le Discord, je pense que ce sera là où je dirai ouais, plus facilement quand est-ce que c'est prévu. Bon allez, je suis crevé, je vais m'arrêter là, je pense. Merci à tous d'avoir visionné. On se retrouve du coup pour une deuxième partie cette semaine. Je verrai rapidement, ce sera demain soir ou jeudi matin que je saurai contre qui je joue. Sûrement jeudi matin. Donc très rapidement, je prendrai contact avec lui et on verra quand on cale ça.